Que les dieux te protègent. Ta beauté nous inonde de lumière. Ainsi que le soleil, elle brille de mille feux, Pénélope. Le jour des jeux est arrivé. Et si je me présente, c'est pour tenir ma parole. J'épouserai le vainqueur de ces jeux. J'ai attendu avec une grande anxiété la venue de ce jour. Pour vous, j'ai aujourd'hui choisi un jeu, oublié depuis bien des années. Voici l'arc d'Ulysse. Et j'épouserai celui qui, après avoir réussi à le tendre, traversera de ses flèches cette ligne de hache. Je ne le considère pas comme un jeu d'Apollon. Si tu ne crois pas réussir, je te donne la permission de te retirer à l'instant. Cette réflexion t'a fâché, Pénélope. J'accepte si tel est ton désir. Donne-moi l'arc. C'est moi qui le premier ai franchi le seuil de cette maison pour venir demander la main de Pénélope. Il est juste que ce soit moi qui sois le premier à tenter l'épreuve. Comme ça, tu pourras avoir tout de suite fini. Je n'arrive pas à le temps. C'est à moi d'essayer. Inutile d'insister, j'aime mieux en lancer. Tu es gêné par ta graisse, Léonès. Il faut que cet arc soit maudit des dieux. À mon tour. Que peut-il avoir? Il est comme les autres. Apollon est offensé. Il a retiré toute la force de nos muscles. Comment Apollon t'enlèverait-il ce qu'il ne t'a jamais donné? Donne-moi cet arc. Prends les flèches. Allez, force encore, Antinous. Pourtant, il déploie toute sa force, Pénélope, tu le vois. Il réussit, il réussit. Ce jeu de nous. Comme pour la tapisserie. Aucun doute. Je ne saurais accepter ce jeu. Cet arc est maudit des dieux. Pourquoi ne peut-on pas le tendre? Tu oublies que tu es lié par une promesse, Pénélope. Si la reine me le permet, j'essaierai aussi de tendre cet arc. Un mendiant qui ose défier les princes. Je serai toujours aussi adroit que vous. Quelle insolence! C'est incroyable! Vous entendez? Ce mendiant qui ose mesurer sa force avec nous. Pénélope, comment peux-tu accepter un gueux pour mari? Si je veux le faire, ma reine, ce n'est pas au titre de prétendant. J'ai déjà une femme. Si tu le désires, étranger, tu peux tenter cette épreuve. Oh non, c'est impossible. Oh, oui. Et nous ne pouvons pas lui permettre, Pénélope. Refuse-lui. Ce serait une offense pour nous. Quelle bouffonnerie. Pourquoi nous humilier de la sorte? Où allez-vous-en? Allez, va-t'en, mendiant. La comédie est assez durée comme ça. On a réussi. Ah. 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 Ah.
Maudit des dieux, Ulysse! Non! Non, Ulysse! Pitié! Pitié de moi! Trop tard, je t'avais averti. Je ne fais jamais de présent d'une vie une seconde fois. Ton destin s'accomplit. Oh. Attention, père! Athéna, je te remercie. Divine ou divine déesse, amie de la fidélité terrestre, toi qui as soutenu mon attente et protégé notre maison, sois remerciée de son retour. J'ai eu à subir de terribles épreuves, Télémaque. Mais aucune n'a été pour moi aussi terrible que celle d'apporter la mort dans ma maison le jour de mon retour. Cette épreuve t'a été imposée par les dieux. Que nos serviteurs purifient la salle commune avec le feu. Et puisse la vengeance des morts ne jamais retomber sur nous. Oh, père. Sa vengeance était juste, Athéna, mais terrible. L'Ulysse qui me serrait dans ses bras avant de partir pour la guerre était différent. Il n'était ni féroce, ni sanguinaire. Oh, je t'en supplie, Athéna, fais qu'il redevienne semblable à celui dont j'ai gardé l'image dans mon souvenir. Pénélope. Ulysse. Mon absence a été bien longue. Pourras-tu me la pardonner? Tu es de retour, enfin, pour toujours. Combien d'années de notre belle jeunesse ai-je laissé s'égarer dans la sauvagerie qu'apporte la guerre? De longues années à courir l'aventure qui ne laisse au cœur que des souvenirs amers. Tu es de retour. Je te promets de les rattraper, ces heures de bonheur perdues, et d'en jouir dans les années qui nous restent à vivre. Tu es de retour.